Salut les potes, ça va ou quoi? Je sais, ça fait longtemps. J'étais occupé. J'ai eu la chance de jouer pas mal de fois sur scène ces derniers temps. Puis là maintenant, je suis à Dubaï. Bienvenue dans ma chambre d'hôtel. Wouhou! On va reprendre depuis le début. Je suis parti de Bruxelles. En avion, tu te doutes bien, si j'avais pris la SNCF, je ne serais jamais arrivé tout simplement. J'ai pris l'avion, chose que je n'aime pas. Coucou toi. Je me mets à parler à l'avion comme si c'était un animal. Non, tu vas pas t'écraser. Hein? Non, tu vas pas t'écraser. Je déteste prendre l'avion, je déteste ça. Donc nous voilà dans ma chambre d'hôtel. Avant d'arriver à Dubaï, on a commencé par Abu Dhabi. Un des trucs qui m'a le plus amusé à Abu Dhabi, c'est que je regardais la télé, il y a des courses de chameaux. Quand t'écoutes le présentateur, t'as l'impression qu'il y a plus d'action que dans un match de foot belge. L'intensité avec laquelle il présente ça, alors qu'en soi, il court tout droit quoi. C'est-à-dire, pour le moment, il n'y a pas encore un virage qui a été négocié par ces petites bébêtes. Oh, c'est intense. Intense. Enfin, donc on est à Dubaï. Ce truc, c'est la démesure dans tous les sens. On m'a dit qu'il y avait une piscine sur le toit. C'est sûr, il y a pire comme situation. Hein, je veux dire, là, je suis sur un toit. Il y a la piscine. Oh, le métier de comédien, dit parfois, c'est vraiment dur. Et alors la vue? Vue sur toi, c'est quand même bien dégueulasse. Hein. Cette espèce de gros truc dégueulasse, c'est la piste de ski. Effectivement, comme je vous l'ai dit, le truc là qu'on voit là, c'est piste de ski. Il y a une piste de ski à Dubaï, dans un centre commercial. Il y a deux mots qui vont pas ensemble. Ski, Dubaï. Eh ouais mon pote, tu rêves pas. Non seulement on est dans un centre commercial, mais en plus d'avoir une piste de ski, il y a un télésiège. On fait pas les choses à moitié à Dubaï. Complètement dingue. Il y a une surenchère dans l'exagération. Le plus petit centre commercial de ce pays fait la taille du Luxembourg. Il n'y a que ça ici. Il n'y a que des centres commerciaux. Il y en a partout. Il y a plus de centres commerciaux que d'habitants. Alors moi je me disais, mais ça c'est le summum de l'extravagance, une piste de ski. Que dalle. On va dans un autre centre commercial encore plus grand. On marche. Et puis à un moment donné, je regarde comme ça, je fais... Qu'est-ce que c'est? Un requin, vieux. Un requin. Il n'y a pas un requin d'ailleurs, il y en a plusieurs. Oh putain, il y a des raies. Moi j'ai 14 ans, ok? Bon bah là maintenant il est temps d'aller découvrir le théâtre dans lequel on va jouer ce soir. À Dubaï, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, il est temps pour moi de rentrer en Belgique. Et voilà, je suis de retour en Belgique. Je voudrais remercier bien évidemment Montreux Comédie qui m'a permis d'aller jouer aux Émirats Arabes Unis. Également remercier Culture Émulsion et Swissquot. En gros, merci, ça m'a permis de partager la scène avec des artistes plus que talentueux. Il y avait Sébastien Marx, Noman Osni, Verino, Mike Ward. En gros, merci, c'était dément. Et bien sûr, merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est assez fou. Allez, sur ce, des bisous.